Chers collègues, chers amis, merci beaucoup d'être présents ce matin. Nous nous réjouissons et nous sommes ravis en fait de vous accueillir dans cette belle salle 18e de la mairie de Bordeaux et pour fêter ensemble le tricentenaire de la naissance de Jean-François Marmontel. Donc Florence Boulry, la co-directrice de l'unité de recherche plurielle, a un petit peu de retard ce matin, donc voilà, elle, juste un petit mot donc, pour vous accueillir. Et l'unité de recherche donc, a soutenu le projet dès le départ. Et voilà, donc le colloque Marmontel fait vraiment partie des projets du laboratoire. Je laisse la parole à Stéphane Pujol, et puis ensuite nous introduirons le colloque Hélène Pussac et Perrine Ogallo et moi ce matin. Voilà, encore merci pour votre présence. Je sais que certains sont venus de très loin, se sont levés très tôt aussi ce matin. Donc vraiment merci à vous tous. Et je vous souhaite un excellent colloque. Merci Magali. Moi aussi je dirais quelques mots au nom de mon laboratoire, PLH-ELH de l'Université de Toulouse. Je suis très heureux que cette unité de recherche ait pu apporter son soutien à ce colloque consacré à Marmontel, qui est un peu l'homme oublié, négligé des Lumières. Marmontel qui a été l'ami Diderot de Voltaire, de Morlaix et de la plupart des philosophes, qui fut le collaborateur de l'encyclopédie. Je relisais il y a peu une lettre de remerciement de Diderot qui lui était adressée concernant l'envoi par Marmontel des articles Grand et Grandeur. Et Diderot écrit à Marmontel le 23 avril 1757 « Ne craignez point qu'il vous fasse des tracasseries, tout est sauvé à merveille. » L'auteur, bien sûr, le contributeur de l'encyclopédie, l'auteur de Bélisaire, des Incas et des très précieux éléments de littérature édités par la regrettée Sophie Lefay en 2005. Donc Marmontel a longtemps été oublié, il est vrai, et il continue d'être un peu le parent pauvre de cette littérature du XVIIIe siècle, et ce, malgré le travail pionnier de John Henry, et notamment l'édition de sa correspondance publiée il y a plus de 20 ans. C'est grâce à John, sans aucun doute, que la réhabilitation de Marmontel a été amorcée, réhabilitation dont on va nous donner des détails dans quelques instants. Je voudrais enfin profiter de ce moment pour rendre un bref mais très sincère hommage à Jean Errard. Je sais que Hélène va le faire également, qui devait prononcer une allocution aujourd'hui ou qui aurait pu prononcer une allocution aujourd'hui. J'ai rencontré Jean Errard au début de cet été encore, chez lui, à Rion, pour mener un entretien au profit de la société Diderot. À 97 ans, Jean Errard avait encore une mémoire époustouflante, capable de se remémorer le moindre détail de ses lectures, de ses amitiés, de ses rencontres. Avec la gentillesse et la bienveillance qui le caractérisaient, il avait tenu, au terme de notre entretien, à trinquer avec moi autour d'une coupe de champagne. Jean Errard était un formidable érudit, un homme de cœur et d'engagement, un esprit vif et affûté, capable de dialoguer, on l'oublie souvent, avec les plus grands, avec un ouvrage d'Habermas, comme de pointer une erreur dans la traduction française de la philosophie des Lumières de Cassirer. J'ai trouvé dans ses mémoires, publiées à compte d'auteur, et qu'il a eu la gentillesse de m'offrir, un passage consacré à Marmontel et à des étudiants de maîtrise qu'il dirigeait. Et ces mémoires ont donné lieu à une journée d'études à Clermont-Ferrand au printemps 1967, qu'il a généreusement consigné dans un livre de l'encyclopédie à la contre-révolution, Jean-François Marmontel. Ce livre a été publié en 1970, c'était il y a 53 ans. Parmi ses souvenirs, Jean Errard raconte, je voulais faire un clin d'œil à John Henry, mais il n'est pas là, à cette occasion, dit Jean Errard, se sont mêlés jeunes étudiants et chercheurs expérimentés, français et étrangers. Parmi ces derniers, un jeune Britannique séjournait à Paris et dont Jean Fabre m'avait signalé les recherches en cours, John Renwick, je me souviens lui aussi de notre première rencontre à Paris en 2017, de la sympathie mutuelle qui naquit entre nous et qui allait devenir une profonde et durable amitié partagée par nos épouses et nos enfants. Je n'en dis pas plus, Jean Errard nous fait cruellement défaut aujourd'hui.
Nous aurions pu avoir le privilège de compter également sur la présence de son cher ami et grand spécialiste de Marmontel, John Renwick. Mais je crois qu'Hélène lira leurs textes respectivement à défaut. Voilà, je vous remercie et je me félicite de ce colloque. Merci Stéphane. Chers amis, chers collègues, c'est pour moi, c'est avec émotion, moi aussi, que j'introduis ce colloque, en pensant bien sûr à, comme vient de le faire Stéphane, à Jean Erard, que j'ai vu il y a 3 semaines seulement, avec lequel j'ai bavardé pendant plus de 2 heures, et qui bien sûr m'a raconter beaucoup de choses et beaucoup d'anecdotes. Donc j'introduis ce colloque avec cette pensée, une pensée très émue pour lui, mais aussi pour John Renwick, donc nos deux grands spécialistes de Marmontel, sans lesquels ce colloque n'aurait peut-être pas lieu aujourd'hui. Alors sachez qu'ils seront tous deux de cœur et d'esprit avec nous durant ces 3 journées. Et permettez-moi de partager aussi avec vous le souvenir de Sophie Lefay, le Ménaez, que Stéphane Pujol vient d'évoquer, qui malheureusement n'est plus et nous a offert donc en 2005 le si intense et si beau travail des éléments de littérature, ce travail d'édition formidable que la majorité d'entre vous connaît bien. C'est par conséquent en signe d'hommage, tout particulièrement à Jean Erard, mais aussi bien sûr à John Renwick et Sophie Lefay, que je me permets de lancer notre colloque. Rappelons-nous que Jean-François Marmontel, qui fait partie de ces écrivains du passé, connus seulement d'une poignée de chercheurs, de quelques étudiants, de quelques Auvergnats, et depuis le mois de juin dernier, d'usagers de la bibliothèque de Bordeaux, donc Marmontel a eu droit à une nouvelle vie à partir de 1967, grâce à la curiosité, au sens ancien du terme bien sûr, et à l'énergie de Jean Erard et John Renwick, qui lui ont consacré un premier colloque à l'université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand, lequel a donné lieu en 1970 à la publication dont Stéphane a donné le titre aujourd'hui et qui est épuisée. Une 50aine d'années plus tard, notre présence à Bordeaux souligne que Marmontel vit toujours dans quelques mémoires. Depuis 1967, en effet, et le riche travail bibliographique de John Renwick le montre bien, les travaux de recherche n'ont pas cessé. Nombre d'étudiants ont bien répondu à l'invitation de Jean Erard dans les années 1970-1990 à s'intéresser à l'écrivain. Et l'année 1999 a confirmé leur intérêt puisque certains étaient présents au colloque organisé par Jacques Wagner à l'occasion du bicentenaire de la mort de notre auteur. J'ai eu la chance d'y participer et ce n'est ni sans émotion que je me souviens de la promenade borfoise qui nous a menés sur les pas de Marmontel, ni sans sourire que je me rappelle la belle médaille de la ville de Bord-les-Orgues offerte à chaque participant par Monsieur le maire. Ce colloque fut un événement à Clermont-Ferrand et à Bord, où l'auteur reste un tant soit peu connu. Témoigne de la richesse de celui-ci, les 2 ouvrages collectifs publiés tous deux en 2003, sous la direction de Jacques Wagner, Jean-François Marmontel, un intellectuel exemplaire au siècle des Lumières, ainsi que Marmontel, une rhétorique de l'apaisement. 2 ans auparavant, John Renwick avait déjà édité 10 études sur l'auteur et Monique Deloume-Sancio venait de soutenir sa thèse, donc on était en 2001, intitulée « Le regard d'un homme du XVIIIe siècle sur le Nouveau Monde, sa conquête et son évangélisation, les Incas de Jean-François Marmontel ». Pour ce 3e colloque, nous avons osé nous éloigner de Clermont-Ferrand, bien que l'un des 3 organisateurs, organisatrices, soit clermontoise d'origine, moi-même,
tout en ayant à l'esprit que Marmontel n'avait pas hésité à quitter sa Corrèze natale pour la région sud-ouest avant de monter à Paris. Nous l'avions rappelé dans notre appel à communication, Marmontel alla, je cite, à dos de mulet de Clermont à Toulouse, où il résida de 18 à 22 ans, et où il n'hésita pas, je cite, chez les Gascons, en fait au collège des Bernardins, où il commençait à enseigner, je cite, à débuter par une gasconnade. Les Mémoires, livre 2. Au printemps 1760, il a 37 ans, il retourna dans le sud-ouest et découvrit en premier lieu Bordeaux, ce beau port et cette ville opulente dont la visite, je cite, était l'un des rêves de sa vie, puis à nouveau Toulouse. Mais Marmontel n'avait-il pas repris le goût de la poésie à Bordeaux, comme il écrit dans ses Mémoires? Il a composé en effet à Bordeaux la romance de Pétrarque pour Jenny, l'une des deux filles d'Anceli, ce philosophe anglais, et son épître au poète. Il n'en fallait pas plus pour que se resserrent les liens déjà forts entre l'Université de Toulouse Jean Jaurès et l'Université de Bordeaux-Montaigne, auquel s'est joint l'Université de Saint-Étienne, bien plus proche de Clermont-Ferrand, en la personne de Pierino Gallo, chercheur associé à l'IRIM, du fait de sa passion pour Marmontel, en croire les éditions qui se multiplient. Depuis 1999, l'intérêt pour Marmontel, par conséquent, n'a pas faibli, comme John Renick le précisera dans sa conférence, mais par la voix de Magali Fourniaud. De jeunes chercheurs s'enthousiasment aujourd'hui pour les écrits marmontéliens, ainsi que nous le verrons au cours de ces journées. Le renouvellement critique qui s'annonce mérite ainsi toute notre attention. Aussi laisserai-je maintenant la parole à mon collègue Pierino Gallo pour en préciser les contours. Merci beaucoup, Hélène. Donc, tracer aujourd'hui le bilan des études marmontéliennes, tout en faisant le point sur l'état actuel de ces recherches, nous a semblé en effet une opération indispensable. Le moment d'ailleurs est bien choisi car 2023, nous le savons, marque le tricentenaire de la naissance de notre auteur. Né en 1723 dans un modeste bourg du Limousin, Marmontel entama très jeune sa carrière littéraire, encouragé par le père des philosophes. S'il n'eut point les mérites et les lauriers décernés à Voltaire, il fut pourtant dans son siècle un écrivain à succès, avant de sombrer progressivement dans l'oubli au cours du siècle suivant. Je cite, « Très romantique, trop peu romantique, il n'annonçait pas suffisamment les nouvelles orthodoxies. Néoclassique, il appartenait à une école discréditée. » Fin de citation. Visant à dépasser ces apories, notre colloque se propose d'appréhender la figure et l'œuvre de Marmontel dans leur complexité, tout en suggérant, comme l'indique le titre, de nouvelles approches critiques. L'ambition de ces journées repose donc sur plusieurs objectifs. Nous tâcherons premièrement de dépasser les nombreuses incompréhensions dont fit l'objet à travers les siècles l'illustre Limousin, pour ensuite interroger les différentes facettes de sa vaste production, sans oublier, si nécessaire, de susciter de nouveaux questionnements. Car, nous le savons, la compréhension d'un auteur, et notamment d'un auteur polygraphe, se construit par étapes, par jalons, au fil d'une série de sursauts culturellement et historiquement orientés. Nous essaierons, en nous tournant vers Marmontel, de nous faire passeurs de sa mémoire, de ses valeurs, de sa langue, de la culture et du patrimoine littéraire que ce disciple de Voltaire a laissé en héritage. En d'autres mots, nous nous pencherons tour à tour sur le théoricien, le traducteur et le critique, nous convoquerons le philosophe et le romancier, nous dialoguerons avec le poète, le librettiste et le musicologue. Même si certaines de ces postures ont commencé à être explorées, on regrette en effet l'absence de synthèses récentes et approfondies sur l'esthétique de Marmontel comme sur sa pensée. Le terrain est pourtant loin d'être infécond. Dans son œuvre protéiforme, il a créé le portrait de l'écrivain philosophe.
Il a fait revivre et interagir d'autres voix. Il a analysé la langue, le théâtre, la musique et la littérature. Nous gageons que l'examen de ces aspects a encore beaucoup à nous apporter, surtout à une époque où la notion d'écriture s'accompagne de plus en plus d'une réflexion sur ses fonctions, d'une vision qui conçoit l'homme dans son investissement social et idéologique. Notre pari est que les recherches marmontelliennes, actuellement en plein essor, trouveront sur ce terrain de multiples résonances. L'étude de la réception de l'œuvre de Marmontel s'en sert dans cette optique encourageante. Si d'un côté, elle nous fait suivre l'évolution herméneutique déclenchée par les textes, de l'autre côté, elle nous permet d'appréhender la fortune de l'écrivain, de mesurer la richesse de ses messages, transposés au fil du temps dans des cultures et des codes différents. Ce sont là les pivots du parcours sur lequel s'articule notre colloque. Si l'on peut rendre un service à des auteurs comme Marmontel, affirmait Scipion Lainel, je cite, « c'est en les montrant sur leur véritable jour, en citant leurs meilleures pages, en peignant à la fois leur esprit et leur caractère, en essayant de les faire revivre en ne plus qu'un moment. » Animé par ce but, nous tenterons de poursuivre le projet de réhabilitation inauguré au siècle dernier par d'éminents 18e-listes. Cela nous permettra, du moins nous l'espérons, d'apporter notre pierre à l'édifice et de lancer, avec l'aide de nos prédécesseurs, de nouvelles pistes d'investigation. Je laisse à ma collègue Magali Fournio le soin de remercier pour nous tous ceux qui ont contribué à la réalisation de notre projet et de rappeler quelques informations utiles sur le déroulement de ces 3 journées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierrino. J'ajouterai 2 points qui me semblent importants dans l'organisation du colloque. Nous avons voilà, deux points que l'on a à cœur. La première, c'est la notion de transmission et qui se voit notamment par les dialogues entre générations de Marmontel. Et donc, c'est un point sur lequel John Renwick insiste dans son allocution. Et je pense que notre assemblée illustre parfaitement en fait, ce futur des études marmontéliennes. Et le deuxième point, c'est le fait que ce colloque soit ouvert, enfin, résolument ouvert au public sur les 3 journées, et notamment grâce à l'exposition qui a lieu donc, à la bibliothèque. Et les 3 jours donc, sont ouverts au public. Donc effectivement, je tenais à remercier, et une fois n'est pas coutume, je vais commencer par toutes les personnes que nous ne verrons pas forcément au cours du colloque, mais sans lesquelles ces 3 jours n'auraient pas pu avoir lieu, et qui ont œuvré avec enthousiasme et efficacité pour que tout se déroule au mieux. Je tiens à remercier en premier lieu Camille Douvier, qui nous accueillera donc tous les matins. Je tiens également à remercier les 2 vidéastes qui sont avec nous ce matin, Philippe de Taverny et Régis Delerue, Fabienne Olivia, la gestionnaire de l'unité de recherche plurielle, qui a été d'une aide très précieuse, Lionel Cazot, le graphiste de l'Université Bordeaux-Montaigne, qui nous a fait les 6 belles affiches et les très beaux programmes, et qui l'a fait refait les programmes même pendant ses congés, donc nous pensons très fort à lui ce matin. Sylvie Malray du service de la commission recherche de l'Université Bordeaux-Montaigne qui m'a aidée à monter le projet, le dossier notamment pour avoir des soutiens financiers, le nerf de la guerre. La mairie de Bordeaux et le fait que nous soyons dans cette très belle salle, donc je remercie Steve Grenier qui nous accueille, également Didier Duron qui assure aussi l'aspect technique, à la bibliothèque de Bordeaux, Mathieu Gerbeau, le conservateur, Hélène Fleury à Mesteuil, Nadège Brunet, Malvina Coraza, Roland Lanoé, qui assure toute l'organisation, au musée d'Aquitaine, Katia Kukowska, Marion Blanchet, Hélène Bosch, Christian Bloch, qui assurera la visite des salles 18e siècle vendredi après-midi, les étudiantes de l'INSPE, Raina Abdou, Emma Beauchamp et Camille Douvier, qui ont enregistré des extraits des contes de Marmontel que l'on peut écouter
à côté de l'exposition au quatrième étage. Nadine Gabart et Anne-Laure Ménard, que vous aurez la chance d'écouter jeudi soir, au moment du concert. Et enfin, un grand merci également à mes deux collègues Élise Pavie et Françoise Poulet, qui nous ont attribué une part de leur budget de l'IEF pour que le colloque puisse avoir lieu. Un grand merci donc également à toutes les institutions qui nous ont aidés financièrement. En premier lieu, l'Université Bordeaux-Montaigne et son service culturel. Un grand merci à Pierre Katuszewski de sa participation. L'Université Toulouse-Jean Jaurès et le laboratoire ELH, représenté donc ici par Stéphane Pujol. Le laboratoire IHRIM, l'Université de Jean Monnet-Saint-Étienne. L'INSPE Académie de Bordeaux. La Société française des études 18e, représentée donc ce matin par Aurélia Gaillard et Hélène Cussac, l'unité de recherche plurielle, le laboratoire SPH également, et la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, à tous ces partenaires, un grand merci de nous avoir fait confiance, et c'est grâce à eux que ce colloque peut avoir lieu.